se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est là aujourd'hui au Jardin d'acclimatation. C'est un parc qui se situe dans le 16e arrondissement de Paris. Alors là, c'est the place to be quand on a des jeunes enfants. L'idéal à partir de 1 an. Depuis les 9 mois de Liv, on y va une à deux fois dans le mois. Tout dépend du temps qu'il fait. Ce parc est vraiment très agréable et complet. On y passe facilement plusieurs heures. On y trouve des attractions pour les petits comme pour les grands, des structures de jeu immenses, des espaces aquatiques. Alors n'oubliez pas les maillots de bain de vos enfants, ce serait trop dommage qu'ils passent à côté. Il y a une volière, des animaux de la ferme, des aires de pique-nique, des restaurants, des jardins à thème, enfin bref, j'en passe. Bon, j'arrête de parler, je vous emmène avec nous une journée au jardin d'acclimatation. C'est par ici. Bah, on fait la queue, hein? Coronavirus oblige. Le temps, il est parfait aujourd'hui, comme on peut le voir. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. C'est le temps idéal. Surtout quand on est avec des enfants. On va faire du bateau. Allez, on fait une petite pause. Et attendez, pas n'importe laquelle, c'est la pause churros. C'est la pause indétournable de nous, les parents.
Bon, là j'ai essayé de vous faire un petit aperçu du parc, mais c'est un peu trop rapide. Donc pour ceux qui ont le tournis, je suis désolée. Normalement, on peut entrer dans la volière des loriquets par petits groupes. En ce moment, à cause du Covid-19, l'accès est momentanément fermé au public. C'est vraiment dommage parce que j'avais dans l'idée de lui montrer les oiseaux de très très près. Voici une des fermes du parc. Celui-ci, c'est la ferme de Saint-Hilaire. Souvent, on peut voir des chèvres qui attendent des bébés. Comme vous pouvez le voir, ce parc est un vrai plaisir. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Moi, je vous dis, une journée est de loin insuffisante pour pouvoir tout faire. Voilà la grande pataugeoire. Cet endroit est top. Liv, elle, adore. Et puis tout le monde le sait, hein, entre les enfants et l'eau, c'est une très très grande histoire. Après s'être baignée, Liv était un peu fatiguée, mais en voyant le carrousel, elle a voulu en faire un tour. Donc allez, pour lui faire plaisir, c'est le dernier avant de rentrer. Et voilà, on est rentré. Franchement, même si on est habitué à ce parc, à chaque fois qu'on y va, on l'apprécie comme si c'était la première fois. Ah oui, concernant la billetterie, l'entrée est à 5,20€, gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Et à l'intérieur, pour les attractions, vous aurez besoin de tickets. Alors à l'unité, ils seront à 3€. Et sinon, vous avez des carnets. Donc le carnet de 15 est à 35€ et le carnet de 35 est à 70€. Personnellement, avec ma fille, je prends le carnet de 15 et généralement, ça me fait 2 sorties au parc. Après, il faut savoir que dans le parc, vous avez des bornes ou des guichets et vous pourrez toujours en racheter. C'est maintenant que se termine cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.